Word up, guys, je vais faire un petit vidéo, puis essayer de casser la glace, voir si je suis capable de m'exprimer. Puis, bon, c'est sûr que ça fera pas beaucoup de sens pour vous, ceux qui essayent d'écouter pour vrai, mais. Faut que je casse une genre de petite gêne avant de laisser aller, mais c'est pour ça que j'ai décidé de dessiner en même temps, comme ça me met pas hors ligne, mais en même temps, je suis quand même là, je suis pas trop parti. Mais j'ai eu l'idée par un YouTuber, il y a des YouTubers que je suis qui je trouve inspirant, puis que. Qui ont vraiment pas l'air corrompus, là, aucun sens. Mais qui encouragent qu'il faut. Faut dénoncer ça, ça pue d'allure, ce qui se passe, puis plus. Il faut parler, puis. Pas juste les leaders. Des sortes de marionnettes, on sait plus pour qui, quel clan qui travaille, mais des vedettes, des conspirationnistes. Bref, je m'aventurerai pas trop sur ce terrain-là. Parce qu'ils disent quand même une bonne part de vérité, mais est-ce qu'ils ont un agenda caché? C'est à se demander des fois. Mais bref, je vais pas juste parler de ça. Me moquer un peu gentiment, c'est ceux qui croient encore, là, tu veux comme faire que t'es fou, t'es malade, les hôpitaux sont pleins, puis le système n'est pas parfait, mais tout le monde a fait son mieux, c'est-tu, pour le bien de l'humanité. On essaie tous d'être heureux. Mais bon. Nous autres, on voit ça d'un autre œil. On voit qu'ils ont élaboré une matrice. Cette matrice-là, c'est comment que t'es formé à voir les choses, à croire une autorité. Le système d'éducation, puis. Bref, ils savent comment exploiter les faiblesses des gens, les peurs. Mais. Aussitôt que tu sors de cette hypnose-là, ça demande pas de diplôme. Tu te rends compte qu'il se moque de toi, il se moque de nous. Puis le monde, qu'est-ce qu'il continue. En tout cas, je suis un peu outré contre ces gens-là, chacun à son rythme. Il y en a qui. Ça va être all-in, là. Que ça aille mal jusqu'au bout, qu'il y ait des nazis, ils vont continuer à croire. Ça va être toujours camouflé avec un narratif officiel, là. Faire ci, on a toujours fait ça, mais checker comment que tout est en train de changer, tout est en train de basculer, puis allez-vous accepter les nouvelles monnaies, toutes nouvelles technologies, d'être suivi au nom de la santé. Bref. Je suis perdu, excusez-le. J'ai pas de plan précis, là.
Mais à part qu'il faut que tout le monde fasse un peu sa part, je commence à croire à ça, puis mettre sa face, puis montrer qu'on n'a rien à cacher, puis on ne travaille pas pour personne. Encore là, je faisais référence à tous ceux qui prennent la scène des médias alternatifs. Pas tout corrompu, mais en tout cas, c'est là que je suis rendu dans mon questionnement. C'est toujours important de respecter les croyances des autres. Liberté d'expression. Mais souvent, c'est qu'on. On sent que c'est nous, on n'est pas accepté avec nos. Ce qu'on dit. Shit. Je sais pas si je vais publier ça. Je sais plus ce que je dis. Suis un peu nerveux. Mais je vois plus ça comme un exercice que gagne en popularité ou essayer de vous convaincre quelqu'un. C'est sûr que. Ça sera pas mon vidéo, faudra ce style-là que j'haïs depuis longtemps, depuis le début. Je suis plus capable de l'entendre. C'est là qu'il va me faire changer d'idée. Sûrement pas, mais c'est plus faire partie du mouvement. Puis plus il y a de monde qui va parler, plus le questionnement va se lever parce qu'eux, ils vont pas arrêter. Puis même ceux qui croient, ils sentent, ils savent. Ils disent, ben ouais, c'est sûr qu'ils. On est fait pour l'hiver, mais le monde croit toujours qu'il y a la carotte en avant, là, que tout va aller bien, mais il faut prendre conscience que tant qu'il n'y a pas un vrai mouvement non corrompu, ça va jamais arrêter, là. Ils vont toujours aller plus loin, puis là, tout le monde a peur des tickets de payer, ils changent les lois, mais tu sais. À un moment donné, il va falloir se tenir parce que t'auras plus le droit d'aller chier entre telle heure et telle heure. C'est ça, juste pour dire, c'est nos libertés fondamentales. Je sais pas, là. La vraie résistance, comment elle va s'organiser, mais. C'est sûr qu'il faut dire non, puis il faut y dénoncer, puis c'est triste à dire, hein, ceux qui croient qu'ils font des gros efforts pour que le virus qui existe ou qui n'existe pas, c'est un hoax, c'est triste à dire, mais il y a peut-être quelque chose, mais c'est amplifié, c'est un agenda, fuck. Tout est planifié, il n'y a rien qui est arrivé par une petite coïncidence. Puis, c'est ça, c'est un plan. Bon, ceux qui disent on ne te croit pas, mais c'est quoi? Pourquoi ils feraient tout ça? Ben, c'est un peu pour la théorie de David Icke, là, que j'ai résumé un peu vite. C'est que l'humanité elle s'est faite hijack par des extraterrestres. Je sais que vous avez de shit. Oui, je suis rendu là-dedans. Ça fait longtemps, puis ça date de plein de cultures, de plusieurs millénaires aussi.
qu'il y a quelque chose qui veut pas notre bien. Puis bref, sa théorie, il dit qu'ils sont pas nécessairement comme dans un spectre que nous autres, on peut percevoir, parce que c'est assez mince, nos perceptions, notre champ de perception. Mais qu'ils sont là, puis bon, puis pour nous contrôler, il faut qu'ils passent. Ils ont des messagers, puis ça, c'est les gouvernements qui sont juste en haut du peuple. Ils ont un peu plus de pouvoir, puis tout, mais sont vendus, là. Ils disent, ils transmettent leur message. Puis ça, se sont camouflés par plein de sous-sectes. Qui se partagent le pouvoir puis l'esclavagisme de l'humanité. Puis ils nous ont fait croire inconsciemment qu'il faut se grouiller le cul, faut faire de l'argent, il faut consommer, puis faut être bon aux yeux des autres. C'est ça le modèle de la société. Faut avoir un succès, faut se tenir, faut toujours être occupé. Appréciez pas la vie, rien, profitez de rien. En tout cas, générer beaucoup de souffrance. Puis that's it. Mais en réalité, c'est ça, il nous cache qu'on a tout un. Des super pouvoirs spéciaux, d'éveil, des connexions avec la nature, puis d'expansion de ton esprit, on sait pas, peut-être les pyramides, ces affaires-là, c'était des trucs pour vraiment t'expérimenter le plein potentiel de pourquoi tu es ici, puis la plus importante, c'est d'être heureux, comment qu'on peut y faire, puis tout est possible finalement quand tu ouvres ces portes-là. Bref. Ils veulent pas qu'on ait accès à ça. Ils nous shootent des métaux par les airs, la bouffe, l'eau, tout est intoxiqué. On entend juste de la peur des médias, de la bullshit, ça va mal. Ils créent des guerres, des problèmes. Ça, ils apportent des solutions que le monde accepte. Tout le monde est pris aussi, là, pas penser. Puis là, c'est une guerre spirituelle, puis avec la technologie, tout le monde, on est déjà accro, on est. Si le monde regarde leur screen time, c'est combien de temps qu'on passe à l'écran par jour. C'est épeurant, même en le sachant, c'est difficile, puis. Bref, peut-être qu'ils vont chipper le monde avec le cerveau, mais ils n'ont peut-être même pas besoin. Puis. Bref, ils nous tiennent, ils savent comment manipuler le monde, s'hypnotiser. Puis leur plan, par exemple, c'est. Parce que là, il y a de plus en plus de monde qui s'éveille à ça, qui parle. Leur plan, c'est de brancher l'humanité sur l'intelligence artificielle, puis. Ils ont pu à se battre avec nous. Puis c'est ça, c'est des maniaques, là. Puis là, leur but, c'est de faire des humains qui n'auront plus de asexués. Je sais que c'est horrible juste à y penser, mais. Puis qui sont pas faits, ceux qui sont asexués sont faits en laboratoire, puis. Fait que c'est ça, on est comme un point tournant. Est-ce que vous voulez laisser ça arriver en pensant que c'est une théorie du complot, puis vous pouvez pas aller plus loin, mais commencer à analyser froidement, puis plus croire aucune source officielle pour du cash.
Faut passer par-dessus son ego, ça c'est une autre grosse question là, fondamentale. Le monde va pas t'accepter, t'as sauté là, parce que là, tu t'es toujours battu. Comment tu peux aller de l'autre bord? L'orgueil est là, tu sais. Mais, en tout cas, on peut comprendre ça. Tout le monde a son orgueil. Mais quand ça va être rendu à... tu réalises que c'est vraiment ça qui se passe, va te piler dessus, hein. Préparez-vous à ça, là. Déjà, ils vous préparent à ce qu'ils veulent. Le cinéma, puis tout, c'est juste des choses de robotisation. Bref. Il faut se méfier au plus haut point du vaccin, parce que c'est peut-être genre le virus comme un genre de hoax, mais la vraie guerre, c'est le vaccin, c'est ça, la scrap. Ils veulent stériliser le monde. Ils veulent tuer les plus faibles. Il va y avoir des nanoparticules là-dedans. Puis c'est plusieurs doses. Ils vont dire que le virus a muté. Ça prend un nouveau vaccin. L'accumulation de ces cochonneries-là, ben, tranquillement, ça va enlever ta conscience telle que tu la connais, là. Tu vas devenir une marionnette robotisée au service de l'État comme on le voit, là, qui sont en train de paniquer, puis qui sont ces êtres-là inorganiques. Ils n'ont plus le choix, ils peuvent plus rester sur Terre parce qu'il y a des théories qu'il y a trop de monde qui s'éveille, puis il y a un éveil collectif, et le monde veut prospérer. Tout le monde veut être heureux, puis on a le droit à l'abondance, l'amour universel, puis c'est ça, explorer son plein potentiel, puis pas être pris dans une matrice, c'est ça la vie, puis tu peux pas t'en sortir. Il y a un modèle économique, puis bref, on voit que tout est en train de tomber aussi. Il faut pas accepter ce qu'ils vont nous offrir, là. Ils ont toujours des stratégies pour que le monde choisisse ça, là. Bref, ça me fait du bien maintenant de parler un peu. Me sens moins un peu tout seul aussi, là. Parce qu'en plus, faut qu'on dénonce, puis faut demeurer le plus sain possible d'esprit, mais on a chacun nos vies avec nos petits problèmes, là. Ça, c'est sûr aussi, là. J'espère que j'ai pas été trop pénible. Je vais essayer de continuer un peu. Peut-être d'autres choses qui vont venir. Ou pas. Tu vois, avec le vibe du moment. Mais ouais, pour vrai, je pense que 20 minutes. Je pense pas que le monde va écouter tout ça de moi. Ah ouais.
On s'est même pas vraiment manifesté ou pas. Parce que là, tu sais, comment qu'on va faire? Je sais pas. Prendre une vraie résistance non corrompue. Ils vont mettre un couvre-feu à 6 heures et on attend ça. C'est sûr qu'ils vont vous récompenser un petit peu pendant l'été, là. Oh. Si le monde c'est trop, peut-être. Ils vont en perdre trop. Mais dites-vous que c'est sûr qu'ils lâcheront pas. C'est ta vie, c'est un combat, mais. Puis. C'est ça, là, on pourrait décider. Là. Toutes leurs mesures, ça n'a aucune efficacité. C'est juste du contrôle. Il n'y a pas rien de. Ah, ben, on fait ça pour si, puis on est trop bien fin, on sauve des vies. À un moment donné, il va falloir abandonner ça, là, ces idées-là. Là. C'est pas évident de jouer au méchant aussi, parce que là, on passe pour le méchant aussi. Il n'y a pas de souciance des autres, c'est pas ça du tout. C'est que. On se fait rouler, tu sais. A à Z, A à Z. Puis il faut toujours mettre de l'eau dans son vin. Là, je suis tout seul, c'est facile. Personne qui me dit ferme ta gueule, mais. Les tensions montent vite, puis il faudra. Ah ouais, je. Faut quasiment jouer que tu y crois. Ah oui, faut sauver. C'est vrai, oui, c'est vrai. Que tu veux éviter de. Les mettre en run. Mais là. Là, je prends le temps de vous parler entre les deux yeux. C'était pas mal ça que j'avais à dire, dans le fond, là. C'est juste pour pratiquer à parler, là, tout seul, dans le fond. Sur ce, portez-vous bien. Puis allez-y à votre rythme, Ça prend de plus en plus de monde qui se questionne puis qui parle. Il faut parler. Puis c'est ça, c'était ça le but de l'exercice. Il y en a qui disent, ouais, fais des vidéos, arrête de te distraire avec des passe-temps faciles ou des fuites. Puis faut que tout le monde on est tous pognés dans le problème. Faut faire sa part, tu sais. Un certain pourcentage, ça va basculer à un moment donné, ils pourront plus continuer là, à faire leur connerie. C'est ça ce qu'on espère, je sais que c'est facile d'être dans la. Ok, ben si c'est vrai, on est fait, nous autres, on a quasiment mieux vivre dans l'illusion, puis un semblant de bonheur pour le temps qui nous reste, mais. Bref, faut quand même dire non. On n'est pas d'accord, on n'embarque pas dans vos conneries. Puis, ça va faire, là, tu sais. C'est comme du bullying que tu verrais dans une école à un moment donné. Tu tiens le bout, non, tabarnak, qu'est-ce que tu. Tu vas
arrêter de me taper sur la gueule ou de m'agresser, harceler psychologiquement. Faut que ça arrête. Bonne soirée à vous autres. J'essaie de l'arrêter là. Ouais, je me sens parti un peu maintenant. Je me sens écouté. Même si peut-être pas, mais. Je me sens pas freiné. C'est quand je disais faut se freiner vite en crise. Tout le monde il embarque pas dans ce que tu dis. Tu sens que t'as de la confrontation. Il y en a juste le monde, c'est trop pour eux. Il y a un travail de déception à faire aussi, c'est sûr. On a été trompés, puis shit. Moi, j'ai cru, j'ai même eu un succès, puis j'ai des amis, j'ai une famille, tu sais. Puis, on va me concentrer juste là-dessus, fuck le reste. C'est correct, mais c'est parce qu'ils sont là pour t'enlever même ça. En tout cas, c'est tout un phénomène. Ceux qui ont été étiquetés de fous, malades mentales. Mais bon, c'est pas peut-être, mais c'est pas tout le monde. Si tu parles, tu te questionnes que. En tout cas, pour beaucoup, c'est quasiment. Tu mérites quasiment pas de vivre parce que si tu crois tellement au scénario, ces gens-là tuent du monde parce qu'ils vont pas, ils porteront pas le masque. Ils tuent du monde. Ça n'a pas de sens. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent que un masque. Ça va pas, ça fait rien, là. C'est juste pour te moquer. C'est un signe de. Humiliation. Empêcher le monde de s'exprimer. Montrer chacun son unicité. Comment son unique. Puis. C'est ça. Alright. Je vais retourner écouter ma musique ou en jouer. J'ai cassé la glace. Peace out.